heading into the heart of Quebec's wine country. This is the Dunham area. Every industry needs its pioneers, and for Quebec's wine industry, it's Charles-Henri Coussergue at the Orpailleur. If the Quebec wine industry owes a debt of gratitude to anyone, it's him. He's actually one of the nicest people I've ever met, so really excited to see him again. I haven't seen him for maybe 2 years. Bonjour, Charles-Henri. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Écoute, ça fait longtemps. Oui. Ça fait plaisir de te voir. Ah oui. Regarde, c'est un petit tôt, peu tôt, oui. Dans le matin pour déguster. Est-ce qu'on peut prendre un peu l'envie? Ben oui, je vais te montrer ça. Je vais faire un peu d'exercice, là, puis c'est comme ça, comme vous avez commencé quand? Ben, j'ai commencé en 82. Quand vous avez commencé en 82, il y avait combien de vignobles? On était cinq. Cinq? Il y avait cinq et aujourd'hui, il n'en reste que deux. Enfin, aujourd'hui, heureusement, il y a 120 vignobles. C'est comme ça, vous avez vraiment vu une évolution d'une industrie. Ah, hein? Oui, oui. Mais ça va aussi avec la progression de qualité. Hein? Exactement. C'est... La première bouteille n'est pas trop dure à vendre, mais la deuxième bouteille... C'est ça, mais c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Qu'est-ce que les gens, est-ce qu'ils vont retourner goûter? Encore aujourd'hui, on nous dit que le Québec n'a pas un climat pour la vigne, et ce n'est pas vrai. On a des étés au Québec qui sont les mêmes que certaines autres régions viticoles au monde. La différence au Québec, ce sont les hivers. Ouais. Okay, avant qu'on rentre dans la salle de dégustation, explique-moi ça encore, parce que ça, c'est un de mes produits Orpailleur que j'aime le plus. Écoute, c'est une curiosité. En fait, c'est du jus de raisin, donc du mou, là, qu'on prend. Ouais. Du jus de raisin dans lequel on met de l'alcool. Ouais. On met de l'alcool de grain. Et que je laisse vieillir 10 ans. 10 ans. 6 ans dehors et puis 10 ans en dedans. Tu mets ça dans le soleil, ça cuit dans le soleil finalement. Ça cuit au soleil. C'est-à-dire que quand on le met au début, donc on le met dans des damjans en verre, ouais, en plein soleil, et avec le temps, ça va changer de couleur. On appelle ça la part des anges. La part des anges. On a des bouteilles devant nous. C'est Val blanc et Vidal. Ça, c'est le blanc classique d'Orpailleur, oui. Mais c'est, je vois pour la première fois qu'il y a de Vidal. Le Céval a un côté un peu floral et le Vidal va lui apporter de la rondeur. Okay. Et c'est un heureux mariage. Tu vas voir, il se complémente bien. C'est effectivement, c'est ça. On a une touche de grand en fin de bouche. Oui. Pour moi, s'il y a une vin que je vais choisir qui va représenter c'est quoi le vignoble du Québec, c'est ça. Je suis content que vous avez un resto ici. Et oui, c'est agréable de déguster, mais il faut aussi manger. Exactement. Avec des mariages intéressants avec nos vins. Excellent. D'ailleurs, je vais te présenter notre chef, Gérald. Bon. Ah, ça a l'air bon. Bonjour, Gérald. Comment ça va? Gérald, qui est là depuis de nombreuses années maintenant et qui nous concocte toujours de bonnes recettes. Finalement, on est à la part des anges. C'est un beau mariage avec notamment les fromages, avec tout ce qui est un peu salé. Mm. C'est un produit qui a vieilli 10 ans. Mm-hmm. Ça, c'est hot. J'aime tant ça. Mais quand les gens viennent ici, ils peuvent faire donner toute une histoire au niveau de le vignoble. Oui. Ils peuvent faire des balades dans le vignoble. Avec le forfait du vin mousseux, on a l'opportunité de faire le sabrage. Oui. Ça, c'est une particularité qu'on ne peut pas faire partout. Et l'Orpailleur, c'est pas nouveau, on le fait depuis plusieurs années, mais ça a tout un succès. Les gens mettent vraiment la main à la pâte, donc ouais, on leur fait sabrer la bouteille. Et ça, c'est un des forfaits les plus populaires. Autrefois, c'était les militaires, quand ils gagnaient des batailles, qui, avec leur sabre, donc, faisaient sauter le bouchon de la bouteille de champagne. Et puis, ça fait plusieurs années maintenant qu'on le fait à l'Orpailleur, on s'amusait à le faire. Puis en fait, les gens appréhendent, mais c'est très facile à faire. La pression fait que la bouteille se casse toujours très, très franchement. Et donc, tu vas voir, c'est presque un jeu d'enfant. OK, c'est pour tous les enfants qui veulent jouer avec des grands couteaux. Non, je viens ici. Ça, c'est le fruit de notre travail. Hein? Ben oui, certain. Ouais, merci beaucoup. Santé, bien. Mm. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut que je quitte. Regarde, comme toujours, c'était un plaisir. Bill. Merci pour la visite. C'est réciproque. Il faut que tu reviennes nous voir pendant les vendanges. Ah. OK, bon, merci beaucoup. Merci, bonne route. Salut. Bye. Bill.